Et salut tout le monde, ici AzurLeaks, et bienvenue sur. Je crois que c'est le 9e épisode. C'est notre 10e épisode. 10e épisode. Justement, Isaac vous montre dans quelle direction il faut aller. This way. Et je suis en compagnie d'un être mystérieux, horrible, qui ressemble à un troll des cavernes. Salut Lorminas, comment ça va? Salut le golem, salut tout le monde. Je préfère un golem qu'un troll. je crois qu'on devait aller activer les canons. T'en sais rien, toi. Oui, je devais activer les canons. Si ma mort est bonne, oui. Oula, donc je devais aller faire un coup. Ah, tu t'es encore brossé les dents, toi. Bon, il me fait que 80 secondes pour aller faire ce que je dois faire. Vais-je y arriver? Plus que 73. Je transpire. Il faut juste que j'arrive. C'était dur. Très complexe en effet. Ah ouais, là je. Tiens, sûr, ça fait mal. Ah, t'as joué ta vie là. Ah ouais, total. Mais il adore ce jeu, il n'arrête pas de se foutre de la gueule du truc, quoi. Je comprends plus, ta gueule. Et c'est parti pour une prise d'air. Sans déconner. Ils auraient pu me mettre un champ de force pour éviter ce problème. Moi je l'aurais fait. Bon, pour trouver un drone mané, déjà c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Je me joue. Pour les profs. Nous sommes morts. Oh putain que t'es pas bon. Il a un petit coin. C'est même pas magique. Ah, là, que... Imagine quand tu faisais ce truc comme une map. Moi j'ai récupéré. Bah j'y ferai pareil. Aïe. Surtout cela. Mais est-ce que t'as noté au moins qu'il respectait la couleur de difficulté des ennemis de tous les autres jeux dans le même style? Enfin, genre, tu sais, les punks de Street of Rage, qui t'as les classiques qui sont bleus, t'as les rouges qui sont un peu plus durs, les verts qui sont encore plus durs. Oui, c'est la même logique, et oui, ça c'est une. C'est ça, j'ai remarqué ça la dernière fois, je sais plus à quoi jouer. J'ai remarqué ça, je crois que c'était un Mother Russia. Où ça m'est revenu comme une balle en fait, en plein milieu du crâne. Où je me suis rappelé justement des codes de couleur pour la difficulté. Final Fight aussi, dans le même genre. Oui, justement, ouais. Quand t'as des persos qui ont une couleur alternative, tout ça, en général ils sont plus forts. Et... Bah, la couleur de cheveux aussi, c'est des punks. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. T'as des trucs comme ça en fait, qui font partie des vieux codes de couleur pour la difficulté. Oh, c'est pas plus mal, mais bon, c'est vrai que ça casse un peu le truc. Tiens. Oh putain, encore ces horreurs. C'est le super dégueu. Ça, c'est quand tu mets au monde quelque chose. Voilà ce qui est en train. Je parle de toi, je parle pas de toi. Je m'aime plutôt toi, ouais. Non, moi je me fais cloner bien. T'as une créature de la vie, système de défense. J'imagine. Je suis la vie. Je suis la vengeance. Je suis pas. Ouh, la saleté. J'aurais dû tous les démembrer. J'aurais dû tous les démembrer. Mais comme j'ai oublié, je vais encore bien galérer. Ah putain, saleté. Dégage. Tu es sadique et non plus, même pas qu'un sadique. Pas parce que t'es sadique, t'es forcément en pleine quand tu veux.
pour aller chercher les gens. Bah évidemment. Ouais, mais moi, au moins, les rimes sont naturelles, tu vois, elles sont pas forcées, tu vois, c'est... Ah, ouais, non plus. Ah, tu allais la réfléchir, ça, là. Mais tu crois qu'ils font quoi, les hommes? Ils réfléchissent à chaque fois qu'ils font le mal, à chaque fois c'est pas toujours spontané. Ah, mais c'est pour ça que la moitié du temps, ils sont pas drôles. C'est ça, le talent naturel. C'est pour ça que la moitié du temps, ils sont pas drôles. Et re, désolé pour ça, on a eu un petit problème niveau enregistrement, donc voilà, hein, je suis revenu là où on en était. Faut que j'aille au camp. Je sais même plus de quoi me parler avant que ça pointe. Donc voilà. Ah oui, j'avais déjà fait le ménage, donc il n'y a plus rien à craindre ici. Système de défense prêt pour utilisation. Système de défense prêt. Là, je vais partir dans l'espace. Putain, si je pouvais t'y envoyer dans l'espace, c'est 5 heures, c'est tout ça. Ça serait un kiff. Tu rêves de faire ça tout bien pour toi? Ouais, je suis en je vais aller dans le fond. Je le déteste, mais il faut pas le... Putain, mais je suis vraiment fou l'emplacement en fait. Même pas. Ah, il faut que j'agrandisse, il faut que je change d'armure. Je vais utiliser ça, je vais au moins prendre les... Ouais, les munitions trancheurs. Parce que je sens que je vais avoir un boss et que j'en aurai besoin. Non, c'est pas l'erreur de remonter le placement. Putain. J'ai même pas percuté en fait. Je croyais qu'on était dans l'onglet vente. Tous ces ressources, ces onglets, mais ces jeux sont sales, c'est bien, tu peux te remarquer. Ouais, mais surtout que voilà quoi, ça c'est ton onglet à toi basique, et quand tu passes dans le truc de vente en fait, d'achat et vente, mais c'est plus la même chose. Ça t'arrive de faire des erreurs. Moi, bon, ça arrive au meilleur, hein. C'est qui en fait, j'ai fait une erreur pareille en fait, qui s'en est aperçu que quelqu'un en avait besoin. Ah, j'ai oublié. Il y avait un youtubeur qui était plutôt bien d'ailleurs à l'époque, il avait fait des bonnes vidéos. Et si tu veux, il avait une très bonne arme qu'il avait passé des heures à leveler. Quoi. Et en plein milieu de la partie, il la vend et il la cherche au niveau du boss. Il se retrouve comme un con, il s'est fait niquer comme un bleu, je parie. Ah, total. Ah, bah, c'est prévisible. Total, c'est. J'avais oublié ce détail. Ah, ouais, tu t'es fait tirer comme un lapin. Non, c'est les météorites en fait quand elles s'écrasent. D'accord. J'avais totalement oublié. La stase ralentit les ennemis, les rend plus faciles à tuer. Sans blague! Planète Cracker, Starship, Ishimura. Putain, le chargement de la mort, quoi. On est plus habitué des chargements aussi, là, maintenant. La génération. Alors, on va dire que c'est plutôt mal vu, quoi, maintenant, hein, ce genre de chargement. Il y en a encore, malheureusement, il y a certains jeux qui sont restés longs pour les chargements. No Man's Sky, par exemple. Encore, ça n'est pas des endroits. Ouais. Il y a que des mises à sans arrêt, des mises à jour. Donc, demain, il n'y en aura plus, j'espère. J'ose pas y aller. Oh merde. Juste au moment où je pars. Allez, allez, Isaac. Ouf. Tu vois, il est massoc. Ah, t'as jamais vu toi tout ça dans le jeu. Ah bah non, j'ai dit, j'ai pas joué énormément à ce jeu. Hein. Bref, t'as raté vraiment quelque chose parce qu'il est vraiment excellent le jeu quoi. En lui-même, il est excellent. Ça viendra un jour, comme je t'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai faite avec toi. Je le referai vraiment d'être complet de HKZ, parce que je me rappelle plus trop depuis le temps. Je pense pas avoir. Quoique, allez. Allez, je peux le faire. Je l'ai fait. Ouais, j'y suis presque.
En fait, après, au retour, on aura des monstres aussi. Un plus des météorites qui tombent sur la gueule? Non, tu les auras plus, parce que tu les auras détruits. Voilà. Oups. Parce que ça, c'est galère, hein. Ah, j'avoue que... C'est moi, ça me dingue. Je pense qu'ils ont dû le faire dans le 3, non? Non, il n'y est plus, ce truc-là. Il n'a pas fait un niveau de ce genre-là, non? Non. En fait, dans le 2, tu veux, t'as une combinaison qui te permet carrément de sauter à ta guise dans l'espace. C'est une combinaison un peu Iron Man, quoi. Mmh. Plutôt sympa. Je dois patienter. Bon, j'aurai une réserve d'oxygène pour le retour, au cas où. Je sauvegarde parce que parfois je peux être un gros sac. Mais on va passer à Space Invaders. C'est bon, Isaac, vous y êtes. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Donc t'as deux canons. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Ah, c'est canon. Oh merde. Putain! Pas loin. Non, aussi très loin. Hein? On était quoi au début? Et là, ça dure combien de temps, hein, ce truc? En fait, t'as beaucoup de projectiles en provenance et il faut que tu les élimines tous. Il faut être rapide. Hein. Ah ouais, mais là, je suis mauvais. Dans celui-là, de mode, je suis exceptionnellement mauvais. On va pas être bon à tout, hein, tout ça, hein. Ça. Les shooters comme ça, j'ai toujours eu du mal. Vraiment. Et tout ce que je shoot les meufs, moi, j'avoue que je suis pas bon pro non plus. Je suis pas un mètre à la tire. C'est bon, Isaac. Comme un radial ici, j'ai fait. Et au niveau, je me suis dit, c'est une gardez un œil sur les dommages externes. Il joue à scoring. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bien. Il y a des gens qui arrivent au fort à 5 degrés. Donnez-moi un peu plus de temps. Oups. Un bâtard dans les jeux, tu lâches pas l'affaire. Bah ouais, mais là, crois-moi, parfois t'as envie de la lâcher l'affaire. Encore, je connais quelques potes rageux qui auraient escampé la manette dans l'écran depuis un moment. Bon, deuxième tentative, je suis allé beaucoup plus loin. Un choc, tu peux le faire. Bien sûr que je peux le faire. C'est pas ça, je sais comment dirait le serpent au cas.
et confiance. Le serpent Guy K. K. Il est de la jeune. Oui, non, mais c'est quand. C'est bon, Isaac, vous y êtes. Ce canon est très puissant. Il devrait pulvériser tout ce qui arrive. Gardez un œil sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Donnez-moi un peu plus de temps. Sur moi, tu vas pas nous faire le record de plus de possible. Non, je vais pas. Une fois. 5 fois. Pas dans deux space. Moi, des points du jeu de vidéo, quoi. J'ai un autre aspect, donc tu me mets. Ah ouais, je prends le sens. Ah non, quand tu prends une zone, t'es mort. C'est ça, ouais. Parce que je vais te dire. Si tu fais une véritable mode normale, tu te. T'as un ou deux continues, tu pètes les. Ah, si tu fais la version arcade. Ouais. Putain, mais t'as arrêté de tirer à côté. Encore une minute, et ce sera opérationnel. Ouais, il y a une extérieure critique. C'est le mec à l'autre espace, c'est très bien. Allez! Il y a un niveau centimètres. Non. Hey, tu manques rien. Ouais, on va arrêter là parce que sinon, moi je vais craquer. T'as besoin de me faire une petite pause là. Et je vais balancer ma manette sur le type à côté de moi. Et moi, je vous garantis pas qu'il puisse refaire des directs la prochaine fois. Je fais aucun direct. T'arrêtes avec ça. Des vidéos. Oui. Tu m'as compris. Voilà. Et pour nous, on est en direct. Voilà. Oui, pour nous, on est voilà, en direct. Voilà, c'est pour ça. Ça prête confusion. C'est comme si je te disais, t'as vu, je suis allé à la plage. Quand ben, dans un jeu vidéo. C'est aussi... Oui, je sais que c'est des vidéos, mais pour moi. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme toi, moi. C'est ça. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, hein, même si celle-là a été désastreusement chiante à faire parce que j'aime pas du tout ce passage dans Dead Space. J'aime tout le reste sauf celui-là. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bientôt tout le monde. Ciao.